Bonjour et soyez les bienvenus dans votre chaîne Matip Illimité. Pour tout le monde, on va commencer une série de révisions tronc-commun scientifique français. Donc avant de commencer, veuillez faire abonner et activer l'alarme, jaras, bach dima et au seul coup, le jadid. Donc on commence par l'exercice 1. De la série de révisions. Donc l'exercice 1, c'est du calcul simple, mais il faut respecter quand même des règles, parce que les mathématiques, c'est comme un jeu formidable, amusant, mais il faut respecter des règles simples. Ici, c'est moins 8, moins moins 5. Donc la règle, on commence toujours le calcul de gauche à droite, et aussi on donne priorité, la sbaqiya, le produit. Produit, on trouve soit en parenthèse, plusieurs formes, soit en croix, soit point, soit rien du tout comme 2x. Et même la division, c'est aussi produit. Je sais pas la lumière. Ah oui. D'accord. Donc c'est moins 8. Moins fois moins, c'est plus 5, ça donne moins 3. Le moins 8, en valeur absolue, c'est le plus grand, donc on prend. Donc c'est moins. Et 8 moins 5, c'est 3. Ici, c'est 5 facteurs de moins 3, moins 4. Des gens, ils développent. Mais assez un peu lourd, c'est surtout si on trouve des nombres énormes, par exemple, comme. 2020, 2021, donc c'est énorme. Donc l'idée, c'est de calculer tout simplement 2 moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1, moins 4, ce qui est dans moins 5, moins 4 et moins 9, tout simplement. Donc la suite, 2 sur 5, moins 2 sur 3, il faut qu'on mette un dénominateur commun. Ici, c'est 15, donc c'est 15. Ici, on multiplie par 3 de même, c'est comme une balance, on multiplie par 3. Ici, on multiplie par 5. Donc, c'est 6 moins 10. Ce qui donne 6 moins 10 sur 15, ce qui donne moins 4 sur 15. Ici, on a une division. Donc, pour simplifier, on transforme sous forme d'un produit. On sait bien que si on a A sur B divise C sur D, c'est on garde A sur B. Et on multiplie par l'inverse D sur C. Donc on implique ce clé très important. Donc c'est 1 sur 7 fois l'inverse qui est 4 sur 5, ce qui est donc 4 sur 35. Voilà, ça y est. Donc ici, de même, on donne priorité au produit. Donc le produit, c'est gentil. Toujours, on multiplie au nominateur fois nominateur et dénominateur fois dénominateur. Donc ce qui est donc 5 sur 2. Moins 25 sur 4. Ici, il faut qu'on mette un dénominateur commun. 25 bien réglé. Ici, on multiplie par 2, en bas, en haut, ce qui donne 10. Donc, en fait, c'est 10 moins 25 sur 4. En fait, c'est moins 15 sur 4. Et la suite, on a 3 sur 2 moins 3 sur 2 divise 3 sur 2. On commence par 3 sur 2. Mais ce que j'ai fait, moi... Oui, c'est bon. Donc, 3 sur 2, ici, on transforme division en produit, c'est moins 3 sur 2 fois 2 sur 3. Ici, simplifions par 3, mais on garde 2 parce qu'on a besoin par la suite. Hein. Donc, 3 sur 2, moins 2 sur 2, pour garder le dénominateur commun. Donc, c'est 3 moins 2 sur 2, ce qui est donc 1 sur 2. Voilà. Pour la dernière, on va mettre un dénominateur commun. En haut, ce qui est 12, de même en bas, ce qui est 12. Donc ici, on multiplie par 12, on multiplie par 6, on multiplie par 4, on multiplie par 3. De même, on multiplie par 12, 6, 4, 3. Et on fait le calcul tranquille, donc c'est 12 moins 6, c'est 6. 6 plus 4, 10, moins 3, c'est 7. Donc 7 sur 12. Divise 12 plus 6, ou bien 6 moins 4 c'est 2, c'est 14, c'est 17. 17 sur 12. Donc on transforme sous forme produit 7 sur 12 fois 12 sur 7. En simplifiant par 12, il reste
Pardon, ici c'est 17. Donc 7 sur 17. Voilà, donc on arrête ici. À la prochaine, on va commencer juste jusqu'au bout l'exercice 2. Maintenant, ça vous sera pour le partage. Ou bien, c'est la série. À tout cas, on va faire le groupe d'Yana. Le groupe d'Yana, il y a les élèves en commun. Donc, on va faire le lien par commentaire. Et bonne chance.